L'intervention d'urgence se poursuit à Ouarzazate. L'opération concerne l'ensemble des zones impactées par ces intempéries, notamment les douars relevant des caïdas de Mahran, Igram Nougdal, Tchelouat, Amrzgan, Wisselsat, Anzan, Qobta, Zarin, Tchensift et Ternata. Un important dispositif humain, technique et logistique a été mis en place. Des équipes dédiées d'assistantes sociales et de médecins de la Fondation Mohamed V pour la solidarité ont été déployées sur le terrain afin de répondre aux besoins des zones impactées dans les provinces de Zagora, Ouarzazate et Tiaroudant. Les premiers stocks de l'aide humanitaire exceptionnelle mis en œuvre suite aux hautes instructions du roi Mohamed VI, suite aux importantes chutes de neige survenues ces dernières 48 heures dans certaines provinces ont été réceptionnés au niveau de l'aéroport de Ouarzazate. Cette opération a un caractère particulier et exceptionnel puisqu'elle va couvrir plusieurs niveaux d'intervention. L'intervention d'urgence en faveur des populations affectées par la vague de froid actuelle et les chutes de neige a débuté samedi au niveau de la province de Ouarzazate. Ainsi, des avions des phares acheminant des aides humanitaires d'urgence sont arrivés ce même jour à l'aéroport de Ouarzazate pour distribuer des aides au profit des habitants de plusieurs douars de cette province. Un total de 9000 familles réparties sur 75 douars vont bénéficier de cette aide humanitaire d'urgence composée de produits alimentaires et de couvertures ainsi que d'un accompagnement social adapté et d'une prise en charge médicale de proximité.